Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Bruno, je suis producteur exécutif du gala. Alors, comment ça s'est passé ce soir ? Bah, très bien. Ouais. Super gala, on est Vous êtes content, des personnes qui étaient sur scène, le casting était le bon. Le casting est super, des nouveaux talents du rire qu'on aime bien, donc tout va bien. On est vraiment ravis. Il manquait des gens quand même. Ça, c'est un humoriste, vous voyez ? Je vous présente Jarry. Il manquait des gens quand même. Voilà. Bonjour Jarry. Ce soir, il manquait le meilleur. Dommage, il pourra revenir l'année prochaine. Ouais, voilà. Sinon, il y a encore peut-être demain soir, éventuellement. Il y a peut-être demain soir, éventuellement. On aimerait bien, oui. Bon, alors, comment on choisit ? Ah bah d'accord, ok. Non, mais c'est mon producteur en plus. C'est mon producteur. Alors voilà, ça fait. Une question à vous poser. Je voulais juste que vous finissiez ma phrase. Coucher pour réussir, c'est toujours un bon moyen de... Faut être drôle à ce moment-là. C'est votre métier, vas-y, fais-moi rire. Allez, non, vas-y. Moi je suis spontanément, comme vas-y, ça. Vas-y, redis. Coucher pour réussir. Ouais. C'est toujours un bon moyen de... Coucher, voilà. C'est quoi cette question ? Par contre, ça fait mal aux yeux. Pardon, je suis désolé, voilà. On va se mettre un tout petit peu plus loin. Donc, c'est bien passé. Comment on réunit un casting comme ça de gens sur scène ? On appelle Arthur ou on fait quoi ? Non, on n'appelle pas Arthur. Bah, juste pour les connaître quand même depuis quelques années quand même. Et je crois que mélanger l'expérience d'Arthur, qui est aussi... qui en connaît un certain nombre, le juste pourri aussi qu'on connaît un certain nombre, et de pouvoir faire émaner comme ça un certain nombre de jeunes talents qui n'est absolument pas connu au niveau de la télévision, je pense que c'est une belle opération. Comment ça marche par rapport à nos amis québécois qu'on voit qui sont très, très présents ? Juste pour rire, c'est québécois à l'origine. Ouais, québécois, oui. Alors comment ça se passe justement ? Parce qu'on voit pas mal de crossover, il y a des petits sketchs qui se passent là-bas. Et en France, comment ça fonctionne en fait ? Non, mais c'est une vraie question que je me suis toujours posée. Par rapport au gala ? Oui. En fait, le gala, l'idée a été créée entre Gilbert et Arthur. Mm-hmm. Ensuite, il a été monté à Montréal. Mm-hmm. Le fait que les fictions aient été tournées à Montréal, quand il y a Elise Moon avec une chanteuse québécoise par exemple. Donc en fait, ça a été créé à Montréal, la vraie création. Et ensuite, on l'a ramené en France, on l'a adapté pour que ça en devienne une émission télé pour Comédie Plus. D'accord, bon, c'est très très clair. C'est, voilà. C'est très... Toutes les personnes que l'on a vues ce soir sont sur scène à Paris, j'imagine ? Pour la plupart, oui, elles ont toutes une actualité. Toi, elles ont toutes une actualité. Et en général, pour 80%, elles jouent leur spectacle à Paris. Comment on devient, comment on arrive sur scène de Juste pour rire ? Comment on arrive ? Ça, c'est une très bonne question. Ah. Beaucoup de persévérance. Oui. De grande qualité humaine. Oui. Et évidemment, une belle qualité d'écriture. Non, mais il y a un casting. Non, mais je veux savoir, il y a un casting. Non, comment ça fonctionne ? Non, je pense que c'est à force de. Est-ce qu'il faut impérativement être sur scène pour, ou avoir déjà roulé un peu ? Non. Il y a des humoristes, par exemple, comme Verino. Oui. Verino, on l'a découvert grâce à un concours de talent qui s'appelait SFR Jeune Talent à l'époque. Mmh. Et en fait, il a été le gagnant du concours SFR Jeune Talent. Est-ce que vous regardez sur Internet ? Parce oui, qu'il y a quand même pas mal de talents qui commencent à poindre sur Internet. Par exemple, dans le cas du train des talents IDTGV, il y a un certain nombre de jeunes humoristes qui sont repérés via ce concours-là. D'accord. Et qui peuvent peut-être, dans 2-3 ans, se retrouver sur des scènes comme le Zénith, par exemple. Alors, deux dernières questions. La première, c'est quelles sont les bonnes qualités pour être sur scène à Juste pour rire ? Alors, je ne sais pas s'il y a des bonnes qualités. Je pense, comme je vous le disais, c'est une belle écriture, c'est de la persévérance, c'est du travail, c'est de se remettre en question. Mais il n'y a pas spécialement une qualité primordiale, il y en a plein. D'accord, et la deuxième question, c'est la suivante. Si on vous dit... Coucher pour réussir, c'est toujours un bon moyen de... S'amuser.